Allez, salut tout le monde, c'est The Frag HD, j'espère que vous allez bien les gens. Pour ma part, je vais super bien, voilà, toujours en très grande forme. Bon courage à tous ceux qui passent des examens, tous ceux qui sont dans des périodes un petit peu compliquées. Je suis là pour vous soutenir et j'espère que ce petit top 20 troll, mais j'ai envie de vous dire ce gros top 20 troll, va vous remonter un petit peu le moral. Et vous voyez, je lis vos commentaires, je vous écoute, je suis, voilà, à votre attention maximale, parce que vous m'avez dit que vous préférez vraiment les top 20 trolls. Chose faite, il m'a pris énormément de temps à tourner. J'ai dû retrier 300 clips, prendre les 20 meilleurs clips, les classer dans l'ordre, vous mettre en valeur tout ça, c'est vraiment un kiff. Et c'est pour ça que j'ai vraiment besoin que vous me souteniez et que vous me dites vraiment en commentaire que vous kiffiez les, enfin, que vous kiffez les top 20 et qu'on passe ce cap des 3000 j'aime. Je sais qu'on peut le faire et ça me motivera vraiment à continuer voilà, ces top 20. Alors que si je vois qu'il y a moins de soutien, etc., bah, je vais peut-être repartir sur des top 10. Donc si on fait les 3000 j'aime, vous inquiétez pas, je garderai ce rythme des top 20 et je vous ferai peut-être un petit kiff, une petite surprise dès qu'on aura passé les 3000 pour vous tenter un top 30 dès que j'aurai un petit peu de temps. Mais vous voyez, hein, j'ai pas beaucoup de temps et je prends vraiment un maximum de mon temps disponible, et j'en ai pas beaucoup, pour vous faire ce petit top 20 qui va vraiment, à mon avis, vous faire plaisir. Petite information, et c'est vraiment très important, quand vous m'envoyez des clips à mon adresse thefraghd@gmail.com, s'il vous plaît, m'envoyez pas des clips où je dois télécharger, voilà, le fichier pour voir ce que vous avez fait comme troll, etc. Essayez d'uploader tout simplement votre clip sur votre chaîne YouTube en non répertorié pour que, voilà, ça soit un petit peu l'exclusivité sur ma chaîne, que vraiment ça soit un clip qui soit pas déjà vu sur YouTube, si possible, ok, et vous m'envoyez le lien, tout simplement, avec votre PSN, c'est rapide. Et oui, s'il vous plaît, m'envoyez pas 36 000 clips, ça sert à rien. Vous choisissez un clip, le meilleur que vous avez tourné sur n'importe quel Call of Duty, et vous me l'envoyez. Un seul, ok? Un seul. Et après, c'est fini. Parce que je vois des gens, ils m'en envoient 50 différents. Les mecs, ils m'envoient genre 50 liens, ils me font vas-y, choisis celui que tu préfères. Non, ça marche pas comme ça. Tu fais ton meilleur clip que tu trouves le plus sympa, et tu me l'envoies, tout simplement. Voilà, allez, je compte sur vous vraiment ces 3000 j'aime pour montrer que ça vous fait plaisir et que vous kiffez cette série. Et puis, on y va, let's go! Alors, à la 20ème place, on retrouve le joueur Octorel. Hein, qui va faire un clip sur Modern Warfare 2. Oh, ça fait super plaisir, ça fait grave longtemps, en fait presque jamais du coup que vous m'avez envoyé un clip sur MW2. Et c'est Octorel, voilà, qui ouvre le bal sur Call of Duty. Donc ça fait vraiment plaisir. Un petit Ninja Diffuse à la bombe A. En plus tu passes dans pas mal de top 20, donc merci à toi d'être aussi actif. Du coup, à la 19ème place, on retrouve le joueur Andov YPVP qui va nous faire un Ninja Diffuse sur Advanced Warfare dans le mode League. Et regardez, il y a l'ennemi qui a posé, il est juste accroupi là, vous voyez, en face de la bombe, pendant que Andov YPVP lui fait son petit Ninja Diffuse tranquillou, alors que l'ennemi juste à côté, il le voit pas. Donc franchement, ça passe crème, tu l'as bien humilié. Bien joué à toi. À la 18ème place, on retrouve le joueur Super MJ du 13 qui va nous faire un clip simple, rapide, efficace, comme on les kiffe. Regardez, il escalade à fond le bâtiment, sans pression, il maîtrise son personnage, voilà, perfection, pas de galère. Là, il voit un ennemi qui pose directement après, il s'allonge, l'ennemi se casse, il fait son Ninja Diffuse, voilà, comme je vous dis, simple, rapide, efficace. Des clips, en fait, comme je les kiffe. Donc tu mérites amplement ta 18ème place. À la 17ème place, on retrouve le joueur MrFreeze07 qui est sur Black Ops 2 et va se faire un putain de kiff parce qu'en fait, il va troller un ennemi, mais avec son pote. Donc regardez, il y a un ennemi qui court. Alors là, c'est la chasse à l'homme, chasse au roast beef, mon pote, au gibier, tout ce que tu veux. Il voit l'ennemi, donc il est avec son pote, il est en train de lui balancer des flashs, des charges électriques, etc. Et l'ennemi en face, il continue sa course. Il se rend compte de rien du tout, il s'en bat les couilles. Il va même s'allonger en attendant un ennemi. Et finalement, il est en train de se faire troller, se faire t-back comme un gros porc pour finalement se faire tuer. Voilà, c'est drôle. Ça me fait plaisir. À la 16ème place, on retrouve le joueur Vipers qui va nous lancer, en fait, qui va respecter le défi que j'avais lancé à tous mes abonnés à une période où je vous avais dit c'est sympa de faire des Ninja Diffuse accroupis, de faire des Ninja Diffuse allongés, etc. Mais le plus kiffant, si vous arrivez à sauter et faire un Ninja Diffuse au-dessus de la bombe, là vraiment c'est un bon kiff. Et c'est ce qu'il a fait, voilà, ça c'est vraiment un beau petit clip. Il nous a même montré hein, la vue adverse. Donc là tu vois l'ennemi un petit peu qui se balade, voilà, qui est en train de chercher un petit peu des adversaires. Il voit que la bombe est posée, il court, il fait oh putain, faut que j'aille vite protéger la bombe. Il tue un premier ennemi, mais finalement voilà, il voit pas en fait Vipers qui est juste au-dessus de la bombe. Il va le tuer, mais ça sera trop tard, voilà. Trop tard mon gars, t'étais pas assez efficace, donc bien joué à toi. À la 15ème place, on retrouve le joueur Gopaz. Alors regardez-moi ce clip rapide efficace. Il voit un ennemi qui passe, il va pour le suivre, il se merde un peu sur l'échelle et il a bien fait puisqu'il y a un deuxième ennemi qui passe en face de lui. Donc là, il se retrouve avec deux ennemis à troller en face de lui. Alors regardez, deux ennemis. Le premier, il va le tuer au gun. Oh putain, parce qu'il l'avait vu. Il va même se faire kiffer. Voilà, il va t-back juste derrière le deuxième. Enfin, franchement, il a humilié deux mecs d'une rapidité. Voilà, ça, ça fait plaisir. À la 14ème place, on retrouve l'amateur 58 qui est toujours sur Black Ops 2, la map raid. Ça, là, on l'a
kiff. Là, il lance une petite grenade, il fait son petit kill au calme, j'ai envie de vous dire. Et là, il voit, alors je crois que c'est un sniper, et ouais, c'est un sniper forcément, qui est en train de camper. Et enfin, vous savez, ce petit spot où vous faites hardscoper comme des gros porcs par un sniper, qui est en train de vous hardscoper toujours à cet endroit. Et bah lui, voilà, il va s'amuser, l'amateur 58. Il va le teabag, regardez, il va même tourner autour de lui pour finalement lui mettre une petite balle dans l'anus et l'exterminer. Voilà, fin de l'histoire. À la 13ème place, on retrouve Alex 77320. Alors là, il voit un ennemi qui passe, map drone, on a rien à dire dessus. Pour moi, c'est la meilleure map pour troller sur ce Black Ops 2. Alors voilà, il va commencer tranquillement son clip, déjà en suivant l'ennemi. Alors là, il va pas prendre trop de risques. Il voit que l'ennemi en face, il vient de tuer un de ses alliés, qu'il est assez chaud et tout. Il fait, allez, c'est parti, je tente mon coup. Il va derrière, alors là, il est en train de le teabag. Là, il se fait plaisir et vous allez voir, ce clip en plus est assez long. Il va le troller, il va le suivre pendant un petit bout de temps. Et moi, c'est la durée du clip, c'est à dire qu'en règle générale, quand tu suis un ennemi 5, 10 secondes, c'est kiffant et tout. Mais quand tu le suis une vingtaine, trentaine, quarantaine de secondes, et que voilà, en plus là, regarde, il fait des 3-6, l'ennemi retourne, il fait demi-tour, il croise Alex 77320, il le voit même pas. Et alors là, regardez, il va vouloir encore le suivre pendant un petit bout de temps, poser la bombe, il va lui mettre une balle dans l'orteil, mon pote, une balle dans l'orteil, et le mec est mort. Alors là, j'ai pas compris, je sais pas ce qui s'est passé, il avait le seum. Voilà. Donc à la 12ème place, on retrouve Carpa133 qui va nous montrer un clip à la 3ème personne. Regardez, il est en train de bloquer un ennemi dans le coin, c'est énorme, sur la map express. Il se décale un petit peu pour le laisser passer parce qu'à un moment il savait qu'il allait se faire griller. Voilà, il le suit. Alors là, vraiment, il est en train de l'humilier. Mais moi, j'ai jamais vu un mec qui se fait autant humilier. Donc il va le bloquer au début en s'allongeant. Et il se dit, maintenant je vais le bloquer d'une autre façon. Je sors mon bouclier et je le bloque contre ce putain de mur. Alors là, l'ennemi il comprend rien du tout. Il fait, ah putain, c'est pas possible, j'arrive pas à bouger. Regardez, on le voit, il essaye de se relever. Mais en fait, il y a la moitié en fait du bouclier qui est en train de trancher son cul. Tu vois, en fait, c'est comme si tu posais un gros bouclier sur l'anus d'un mec. Et voilà ce qui est en train de se passer. Regardez, le mec ne peut pas bouger. Voilà, franchement, ça fait plaisir. Là, tu l'as bien bolos, c'est sûr. À la 11ème place, on retrouve le joueur Sat. Alors, c'est Sags, Xeno et Monsieur Faritas. Voilà, j'avais dit Fajitas et on m'a dit que c'était pas ça. Ça, on va la faire l'espagnol Faritas, mon gars. Qui va nous faire un petit clip sympa. Regardez, il y a l'ennemi qui pose la bombe. Il saute au-dessus de la bombe et il fait son petit ninja diffuse. Alors, vous allez voir en plus la vue de l'adversaire. C'est assez sympa parce qu'ils sont en train de le bolos à deux. Regardez, imaginez-vous, vous êtes un ennemi. Vous posez la bombe en A. Voilà, tu poses ta petite bombe. Tu t'attends pas à ce qu'il y ait des ennemis derrière toi. Là, tu vois un ennemi. Tu fais, oh putain, c'est bon, j'ai bien fait, je l'ai tué. Et là, regardez, tu veux tuer l'ennemi en fait, le premier ennemi, mais il est en train de tourner autour de la bombe pendant que t'as ton pote qui est en train de diffuse au-dessus sur la bombe, la bombe. Un truc de ouf, hein, voilà, un clip vraiment sympa. Vous pouvez vous le remettre en boucle si vous avez pas bien vu, mais en tout cas, elle était bien kiffant. 10ème place, regardez comment ce mec qui s'appelle Zaydon, il va humilier un ennemi. Regardez, il va lui lancer une para en fait, et il va tourner 2, 3, 4 fois autour de lui pour finalement lui mettre un petit couteau de balistique dans le cul. Assez sympa, on a la vue adverse, imagine-toi, poum, tu prends une para, deuxième para, tu fais, oh putain, je suis dans la merde, et là, tu vois un ennemi, il tourne autour de toi comme ça. Allez, allez, puis sa petite course pour finalement se faire tuer. Putain, ouais, vraiment sympa et très original en ce clip. Donc merci à toi de me l'avoir envoyé. À la 9ème place, on retrouve l'explorateur de la peur qui va nous faire un clip. Alors regardez celui-ci. Il va lancer une première charge électrique sur l'ennemi, une deuxième, il lance sa première bêtise. Et finalement, c'est pas l'ennemi qu'il était en train de troller qui s'est pris la bêtise. C'est un autre ennemi qui est arrivé derrière en fait lui, qui l'a pas vu en fait. Il a pas vu l'explorateur de la peur. Il se prend la bêtise à la place de son coéquipier. Alors du coup, il en reste encore un à troller. Donc là, je vous ai un petit peu accéléré la séquence. Même lui, il me l'a accéléré parce que voilà, attendre de faire le ninja diffuse pendant 30-40 secondes, on va pas attendre non plus des heures qu'il fasse le ninja diffuse. Mais après avoir bien trollé deux ennemis, il va arriver, sauter au-dessus de la bombe. Et putain, vous m'avez fait des kiffs, hein, faire vos ninja diffuse au-dessus de la bombe, les gars. C'est vraiment votre petit kiff. Et on en avait pas beaucoup hein, au début quand je commençais les top 20. Maintenant, il y en a vraiment pas mal. Voilà, il fait son ninja diffuse au-dessus de la bombe. Là, vraiment, on a un combo de plusieurs trolls qui passe vraiment très crème. À la 8ème place, on retrouve Zotix Copa qui va nous faire alors deux trolls dans le même clip. Donc là, il y a un bouclier, mais regardez, il a caché son C4 sur le bouclier et le mec n'a pas vu. Donc le mec il fait, oh tiens, il y a un bouclier tout seul, allez, je vais m'éclater, je vais le péter le bouclier. Finalement, il y a le C4, bah il tire sur le C4 forcément puisqu'il était caché dans le bouclier. Il explose comme une grosse merde comme vous avez pu voir. Et là, il y a un autre ennemi qui est en train de poser la bombe et là tu vois donc bien sûr Zotik Copa qui est juste derrière, il attend que l'ennemi pose la bombe. L'ennemi se barre, il fait son ninja diffuse tranquille sur la map Ijaked. En plus, faut savoir quand même que je trouve que c'est loin d'être la map la plus facile pour troller sur Black Ops 2. Donc vraiment un beau petit clip, ça fait plaisir. Alors à la 7ème place, on retrouve le joueur Xfusia Gamer et Baby Schtroumpf, deux putains de trollers, parce que je sais qu'ils m'ont envoyé pas mal de clips. Alors regardez, c'est la vue adverse, il est en train d'essayer de tirer sur un mec, l'ennemi, il arrive pas. Et là, il se prend une première flash, deuxième flash, troisième flash, et là regardez, il se fait enchaîner, il voit plus rien, et finalement il va se faire tuer. Mais vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? L'ennemi, il s'est fait complètement bolos, regardez, il s'est fait buter comme une grosse merde. Donc là, on a la vue adverse.
bah, justement des alliés, des trollers. Donc là, première flash, deuxième flash, et là il lui balance plein de flashs. On a deux en fait, Baby Schtroumpf et Xphysia Gamer, il le polosse complètement. Regardez, l'ennemi ne peut plus rien faire. Et là il va lui mettre une petite balle des C4. Enfin, le mec, je te jure, moi je serais à la place du gars, j'aurais rage quit avant qu'on me bolosse comme ça, quoi. Parce que là tu savais que t'allais te faire niquer, mec. Clip sur MW3, la 6ème place avec Z-Wox et Dead Silver. Donc là voilà, là il troll un premier ennemi, il se fait kiffer. Toujours dans la même manche, voilà, il a juste coupé les 10-20 secondes où on attendait pour rien. Et là il y a un ennemi qui pose, regardez ce qu'il va faire. Hop, il va sauter juste au-dessus de lui. Boum, il se met là-dessus. Et là ils sont deux, regardez l'ennemi juste à leur droite. Il y a, en fait, imaginez-vous, t'es l'ennemi, t'es couché. Il y a deux mecs qui sont à 2 cm de ton cul, de toi. Ils te voient pas, alors qu'ils sont en train de diffuser la bombe à deux, alors qu'ils sont juste à côté de toi. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, le mec 3 aveugle. Alors ce clip m'a bien fait rire, parce que c'est Anto du 76200. Regardez ce qu'il fait, il va diffuser la bombe. Et regardez, l'ennemi se fait niquer comme une merde, parce qu'au final quand il va vouloir justement revenir sur le terrain, et bah il y a Anto 76200 qui va le bloquer, du coup ça va le faire suicider et il va crever dans le vide comme une merde. Donc là vraiment très original et très drôle ce clip. À la 4ème place c'est Enzo Pepito, regardez. Alors là, le troller trollé, il en faut toujours un de clips comme ça, c'est celui qui nous fait le plus kiffer. Quand tu vois un troller qui essaie vraiment de faire son petit ninja diffuse, alors qu'il y a un autre troller encore plus futé qui va justement le bolos. Donc là pendant un petit bout de temps il est sur lui, alors là il est en train de sauter dessus, il s'éclate, là vraiment il passe même devant, regardez, il passe devant et revient. Ça a pas l'air de faire bouger le troller. Et là moi c'est ce que je me suis dit, est-ce qu'il va tenter ça? Alors moi ce que j'aurais fait, j'aurais posé la bombe pour faire croire justement au mec qui est en train de troller, mais qui s'est fait complètement niquer, à l'ennemi là en face. Bah pour lui faire croire qu'il a une chance de faire ninja diffuse. Regardez c'est ce qu'il va faire, tiens on va poser la bombe. Et là hop, et bah non en fait. T'as cru quoi mon gars? Et là finalement il le tue, voilà. C'était énorme, voilà, c'était énorme. C'était le seul truc en fait pour que le troller en face bah bouge son cul, faire genre de poser la bombe pour lui faire croire qu'il faisait le diffuse, en fait trop pas. Alors ce clip c'est Apodiz ou Apodize. Regardez, alors en fait il y a un allié qui a avec lui, il est sur le côté gauche, hein, vous voyez à la bombe A, il a envie de faire le ninja diffuse depuis tout à l'heure. Donc en fait il va troller les ennemis d'en face, Apodize, en même temps de troller son allié. Vous allez voir, puisqu'en fait son allié a envie de faire le ninja diffuse, là pareil, deuxième fois qu'il lui pète le ninja diffuse, pour finalement au bout de la deuxième fois qu'il se fait péter le ninja diffuse, vous allez voir que son allié se fait tuer, regardez, il se fait tuer, et finalement Apodize va en profiter, va dire maintenant que mon allié qui voulait faire le ninja diffuse s'est fait niquer, et ben moi je me mets derrière et c'est moi qui fais le ninja diffuse. Donc il lui a pété deux fois une tentative de ninja diffuse, puisqu'il a volé les kills en fait avant que le mec pose la bombe, pour finalement dès que son allié est mort dire allez le troisième mec je fais mon ninja diffuse. Donc vraiment perfection, tu trolls les ennemis d'en face, tu trolls ton allié, c'est vraiment ce qu'on kiffe, tu mérites amplement ta troisième place, hein. Et justement on est arrivé sur le podium, et donc là à la deuxième place, truc de malade, clip sur Advanced Warfare, vous allez voir c'est Todd FR, il est en train de suivre un petit mec depuis un petit bout de temps, mais lui il a des projets bien plus gros dans sa tête, vous allez voir ce qu'il va nous faire. Donc là ça fait déjà une petite dizaine, quinzaine de secondes qu'il suit un ennemi, il aurait pu le bloquer là dans les fougères, mais non, regardez ce qu'il va nous faire, il va attendre que l'ennemi rejoigne ses petits poteaux, voilà, histoire qu'ils soient un petit peu plus nombreux, que le plaisir soit plus intense, et là il va se faire kiffer. Regardez, deux ennemis déjà qu'on voit, un troisième ennemi, ils l'ont pas vu, donc là il fait son premier kill, son deuxième kill, et son troisième kill pour la triple feed, voilà, en kill cam, à base de couteau et de petits guns, alors que ça faisait déjà 20 secondes avant qu'il trollait un ennemi. Donc le mec là est vraiment, il nous fait kiffer un maximum. Et le grand gagnant c'est Paytaco, voilà mon pote Paytaco, et là c'est un putain de clip de bâtard, ninja diffuse de ouf sur Black Ops 2. Donc il voit un ennemi qui pose à la bombe, il va pour faire son petit ninja diffuse, là vous allez voir il se prend quelques petites balles. En fait l'ennemi il l'avait vu passer, mais il l'a perdu de vue, parce que voilà quand vous êtes en fantôme vous avez les bons atouts, vous êtes pas trop visible, donc finalement il va pas se faire tuer, il a de la chance et ça va porter ses fruits, parce que regardez à la bombe B, donc là on voit déjà deux ennemis, trois ennemis qui passent autour de la bombe, mais vous allez voir c'est un truc de malade. Là on voit Paytaco qui arrive juste derrière l'ennemi, là il y a trois ennemis, quatre ennemis, cinq ennemis autour de la bombe, cinq putains d'ennemis, et je crois que même il y a le sixième qui fait son apparition. Le mec était tout seul face à six gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si t'es tout seul, tu dois absolument sauver ton équipe, c'est impossible, plus personne croit en toi, et là tu sors un ninja diffuse face à six personnes quoi. Et il a eu un petit peu chaud au cul parce qu'il s'est pris quelques petites balles, finalement l'ennemi l'a perdu de vue, et ça lui a quand même permis de faire son petit ninja diffuse. Donc voilà, j'espère que ce top 20 vous aura fait plaisir, 3000 gemmes s'il vous plaît, on peut les faire pour m'inciter vraiment à continuer un maximum de vous faire des longs top 20 comme ça. Moi ça me prend grave de temps, là j'avoue j'ai douillé, mais ça me fait toujours plaisir, voilà, de faire ce genre de vidéo. Donc si c'est pareil pour vous, vous savez comment me remercier. Comme je vous ai dit, hein, vraiment essayez de m'envoyer qu'un clip, le meilleur que vous avez fait, comme ça ça m'évite d'en trier 400 avec 50 clips différents envoyés par la même personne, tu vois ce que je veux dire, ça sera plus simple pour moi, ça me fera kiffer. Dites moi en commentaire, hein, si un jour vous voulez un petit top 30.
ça pourra se faire, ok, ça pourra se faire, tout dépend les retours des commentaires de cette vidéo, des likes de cette vidéo, comme d'habitude. Je vous kiffe, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon courage à tous pour les examens, pour la suite de cette grosse merde, voilà, parce que c'est de la merde, parce que c'est cette fin d'année qui blase tous les jeunes comme nous. On va pleurer, je crois, on va tous pleurer. Voilà, c'était The Frag, je vous kiffe, allez, ciao tout le monde.